Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Avant de continuer, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à la famille biologique de Didier Arafat, à sa famille culturelle, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et puis à l'humanité, et puis à moi-même aussi. Je viens de voir passer à plusieurs reprises une photo qui le montre sur son lit de mort avec dans le linceul blanc ou quelque chose comme ça. Nous l'aimons tous. Moi, parce que c'est un être humain. Retirez la photo, s'il vous plaît. Pensez à sa mère. Pensez à ses proches. Son décès a été confirmé. On a tous souhaité que ce soit un accident duquel il allait se relever. Mais la nouvelle a été confirmée, hélas. Nous n'avons pas besoin de voir sa photo de mort pour être convaincu de son décès. Par respect pour lui, par respect pour sa dépouille, s'il vous plaît, retirez cette photo-là des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fait pour donner de l'information, oui, c'est vrai. Mais nous avons complètement oublié quelque chose qui nous caractérise, nous, en tant qu'Africains. Le respect que nous avons pour les morts. Le respect que nous avons pour les dépouilles. Retirez cette photo-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensez à sa maman. Pensez à tout le monde. Mais vous voulez montrer sa photo pour prouver que vous avez l'information ou bien pour faire quoi? Pardon? C'est pas à ça que Facebook doit servir aussi? Une mère va voir son enfant comme ça dans ces conditions-là. Hein? Sur Facebook. Quand même, vous aussi. Condoléances à nous tous. Parce que c'est une perte, parce que c'est un être humain. Mais s'il vous plaît, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. On a eu l'information. Merci. On n'a pas besoin de voir son corps pour être convaincu qu'il est décédé. Retirez la photo là, s'il vous plaît. Ça ne nous honore pas. Ça n'honore personne. C'est pas sérieux et c'est pas bien. C'est un manque de respect criant et c'est pas sérieux. C'est un manque d'éducation. C'est pas bien. Arrêtons ça. Merci.